préfères Luffy ou Naruto? Eh bien, c'est ce que mon chat Twitch a dû choisir dans mon tournoi ultime. Genre en mode, vous voulez voter le vide? Non, non. Qui est le meilleur personnage principal de Shonen? En tout cas, celui qui est le plus apprécié. C'est ce que j'ai tenté de savoir avec l'aide de mon chat Twitch. D'ailleurs, venez sur mes lives tous les soirs à 19h. J'ai donc préparé une liste de 64 personnages principaux, c'est-à-dire le héros, exemple Luffy, Naruto, Tanjiro, Itadori, bref. Et ils vont se retrouver dans un tournoi ultime où le chat devra voter à chaque fois pour le personnage qu'ils aiment le plus. Le personnage qui gagne son duel passera au tour suivant et ainsi de suite jusqu'à la grande finale. Oh là là! Oh là là! On aura enfin la réponse à cette question dans cette vidéo. Alors installez-vous bien, mettez votre meilleur pouce bleu parce qu'à 3000 likes, on fera un tournoi sur les méchants, la malveillance. Bref, je compte sur vous. Bonne vidéo. Et cette vidéo est sponsorisée par le nouveau jeu Black Clover M, Rise of the Wizard King. Moi qui suis un énorme fan de cet anime, ça me fait trop plaisir de vous en parler. Black Clover M, Rise of the Wizard King est un jeu mobile gratuit où vous allez pouvoir retracer toute l'aventure de Asta et ses amis chevaliers mages. Avec des graphismes exceptionnels pour un jeu mobile, comme vous pouvez le voir, une modélisation 3D de haute qualité, les meilleurs pour un jeu anime jusqu'à maintenant. Pour ce qui est des combats, il s'agit d'un RPG tour par tour, chaque personnage a ses propres animations uniques, créant des combats fluides et captivants. Mais pour moi, la meilleure chose dans ce jeu, c'est la collection des personnages et les invocations. Tu peux obtenir Asta, Yuno, Noël, Yami, William Vengeance et tous les autres personnages de Black Clover. Tu peux aussi les améliorer pour qu'ils soient encore plus forts pour passer les divers donjons du jeu, mais aussi les quêtes qui recréent l'intrigue de l'animé, les raids pour les défis plus avancés et participer à des PVP avec d'autres joueurs. D'ailleurs, chose incroyable dans le jeu, c'est que tu peux explorer le royaume magique tranquillement, même pêcher et cuisiner. En bref, c'est un jeu exceptionnel, alors ne manquez pas votre chance si vous aimez Black Clover. Téléchargez-le avec mon lien spécial dans la description ou en scannant le QR code que vous voyez sur l'écran, c'est très important. Car de cette façon, vous pouvez obtenir des bonus dans le jeu, comme un personnage super rare Mimosa, Mimosa Limited Outfit, unique et 30 tirages gratuits. Et ce n'est pas tout, en accomplissant des missions, vous gagnerez 70 tirages supplémentaires avec des personnages SSR et accumulerez un total de 100 tirages. Bon début, non? Merci à eux et bonne vidéo! Premier duel, nous avons Mob de Mob Psycho contre Luffy, lequel, voilà, ici on rappelle, c'est pas un tournoi de d'œuvre, c'est le personnage, quel personnage vous a fait le plus transmettre des émotions, voilà, que ce soit la joie, la tristesse, hype, etc. Lequel peut-être vous identifiez le plus, vous kiffez le plus, bref, voilà. Bon, là je pense que niveau des choix, ça va être globalement facile. En vrai, au niveau des sondages, mais une minute, hein. Ok, là on a vraiment un avantage pour Luffy Taro. 85% pour Luffy, hein, y a pas de surprise. Luffy qui est un grand favori de ce tournoi. Hop là, tiens, moi aussi je vote à chaque fois vers la fin. À la fin pour pas inciter les gens à voter tel perso. Hop, Luffy qui passe tranquillement. Ensuite. Oh, Sakuragi Hanamichi contre Nagisa. Sakuragi de l'anime Slam Dunk de basket contre Nagisa de l'anime Assassination Classroom. Cheveux bleus contre cheveux rouges. Qui va gagner? En vrai, aise. Là, tranquille. Tranquille, pas de grosse surprise pour le moment. On se doute déjà du vainqueur. On se doute du vainqueur pour l'instant. On a... Oh, non! Non! J'ai rien dit! Il est vrai que forcément beaucoup de gens n'ont pas vu Slam Dunk. Quelle erreur! Quelle erreur! Quelle erreur vous faites, bande d'incultes, quelle erreur vous faites. Personne n'a lu ou vu Slam Dunk. Ça se joue sur la popularité des dernières années. Parce que faut rappeler que Slam Dunk a vendu, je crois, plus de 100 millions de tomes. Je crois qu'il fait partie du top 20 des mangas les plus vendus de l'histoire. Alors qu'à côté, Assassination Classroom, je pense même pas qu'il est top 100, quoi. Atroce, mais l'anime un peu carry. Ok, c'est Nagisa qui passe étonnamment. Étonnamment, moi j'aurais voté, j'ai voté Sakuragi, quoi. Nagisa, qui passe au tour suivant. Gintoki contre Gabi Maruju. En plus, les deux, ils ont un air de... Au niveau de la coupe de cheveux similaire. Moi, j'ai vu l'anime Hell's Paradise. J'ai vu quelques épisodes de Gintama sans avoir fini loin de là parce que c'est long de fou et c'est quasiment le seul gros anime que je n'ai pas fini avec Détective Conan. Mais... J'ai fait mon choix pour l'instant. Alors du coup, c'est assez serré. On a un léger avantage pour Gintoki pour le moment. Léger avantage pour Gintoki. Mais Gabi Maru le rattrape. Moi je vote que à la fin pour pas influencer et tout. Je vote vraiment à la dernière seconde. Ok, ça se joue vraiment à 3 votes près. 50-50. Est-ce que mon vote va être décisif? Je vote Gintoki. Est-ce que mon vote va être décisif? Mais non, c'est Gabi Maru qui passe de 2 votes. Oh là 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 là.
Évidemment, ça se joue aussi sur la popularité récemment. Des dernières années, Hell's Paradise, c'est un animé récent qui est sorti et que beaucoup de gens ont vu comme il vient de sortir. Qu'il n'est pas très loin, alors que Gintama, ça date un peu et voilà, pour s'y mettre. Tu vois, c'est comme avec One Piece Naruto, tu te dis putain, il y a plein d'épisodes, il y en a 300-400 à regarder là. Donc forcément, ça y joue. Mais moi, je trouve le personnage de Gintoki beaucoup plus cool. Je préfère largement Gintoki, moi. Gabi Maru qui passe. Oh, Limul Tempesto de Moi quand je m'incarne en slime contre Rin Okamura de Blue Exorcist. Tiens. Isekai contre Shonen Démon, un peu fantasy, Satan, tout ça. Je pense que Blue Exorcist, enfin Rin va passer, je pense. Même si Moi quand je m'incarne en slime a un peu de popularité, je pense que Blue Exorcist, enfin voilà quoi. Et c'est Rin... Ah, j'ai même pas voté. J'ai oublié. Rin Okamura qui passe. J'aurais voté... Ah non. Mais non, merde, j'ai lu... Non, c'est Limul Tempest en atroce. J'allais voter Rin, moi. Après, mon vote aurait pas changé grand-chose. Il y a 11 votes d'écart. Ok, moi, j'aurais pensé l'inverse. C'est que vous avez pas vu Blue Exorcist. Limulu. Oh. Oh là là. Ayano Koji de Class of the Elite contre... Great Teacher Onizuka Ekichi, 22 ans, célibataire, libre comme l'air, le GOAT des sensei, mais contre Ayano Koji et sa grosse fanbase de Classroom of the Elite, les bandeurs de Haikyuu. Le Haikyuu contre un Golemon. Voilà. Qui va gagner, le Golemon ou l'Intello? Pour l'instant, qu'est-ce qui se passe dans le sondage? On a, oulala, GTO qui clairement, Onizuka, c'est le massacre. C'est là, quasiment fois 2 des votes là. Moi, je peux déjà voter Onizuka. Déjà, l'avance est tellement longue que, évidemment, Onizuka, personnage tellement marquant, iconique, drôle, il nous a fait kiffer. Même il redresse les élèves perdus dans la vie, la société, et il les remet dans le droit chemin. C'est un goat. Par contre, on va le calmer sur les culottes des lycéennes. Hein. Enfin, faut le calmer sur ça. Faut qu'il arrête. Évidemment, le goat y passe. Ça fait plaisir. Hop. Oh! Premier vrai duel, je pense. Gunflix de Hunter x Hunter contre Natsu Dragneel de Fairy Tail. Alors, lequel vous fait le plus kiffer? Moi, mon choix est fait. D'ailleurs, grosse pensée aussi à Hunter x Hunter et Togashi là. Que récemment on a appris que il va de pire en pire et que il a annoncé la fin de son manga potentiellement. Alors comment ça se passe dans le sondage? Nous allons voir. Natsu prend l'avantage face à Gon. Ça ne me surprend pas. Bon là en vrai je peux déjà voter Natsu vu l'avantage. Je vote Natsu parce que Gon globalement c'est que à la fin que j'ai réussi à vraiment l'aimer. Alors que Natsu ça a été depuis le début de Fairy Tail que j'ai toujours apprécié Natsu le personnage. Je préfère largement Killua. Bah Gon c'est même pas mon personnage préféré d'Hunter x Hunter. C'est... Je préfère largement Killua à Gon, tu vois. Natsu qui passe. Grand respect à Gon. Gon, attends, Gon qui saute tour 1. Genre, il est dans le top 32, genre. Derrière les top 32. Il est en dessous du top 32. À force. Bah, c'est pas de chance, hein. C'est le hasard. Y a pas d'hasard, y a Eden Hazard. Natsu. What? Ah oui, c'est vrai. Vu que je crois qu'il y a 58 persos sur 64, parce que le site il permet que de faire 64, il y aura 6 persos qui seront chanceux et qui n'auront pas d'adversaire, qui passent directement au tour suivant. Après ils auront un adversaire. Il y a 6 persos chanceux et le premier c'est Yusuke de Yuakusho. Il a de la chance ce fumier, il a de la chance. Oh non! Non, encore un autre château et en plus c'est Tanjiro! C'est Tanjiro! Mais non, le château Pimetsu no Yaiba qui passe! Non, c'est quoi cette chatte? C'est pas mérité! Là les gens vont me dire comment ça, what the fuck? Non, moi je veux voir Tanjiro affronter un adversaire. C'est pas grave, en vrai tant mieux, comme ça il va affronter des gros adversaires et il va bien se faire fouetter. Moi c'est ça que je veux. Moi je veux juste que les fans de Kimetsu ils pleurent sur l'humiliation que va subir leur personnage. Attends, genre en mode, vous voulez voter le vide? Non, 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 les gars. Genre en mode, Tanjiro ou le vide? Ok, attends, je vais faire une roulette. Et si la roulette dit oui, on le fait. Si la roulette a dit oui, on fait le duel. Le vide ou Tanjiro? Ok. Ok, sondage. Maintenant, les fans de Tanjiro, ceux qui aiment vraiment le personnage de Tanjiro, c'est à vous de le défendre. Parce qu'il y en a qui vont voter le vide. Et je vous préviens, faites attention, le sondage. Ouai, aïe, 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 aïe. 76% du chat ont voté le vide par rapport à Tanjiro. Tanjiro qui n'arrive même pas à passer à... Bah le vide en fait. Ça aurait pu être le pire personnage de l'histoire. Il aurait perdu quand même, genre. Non, c'est atroce. Gambare. Bah, pas de chance, quoi. Le monde est... Quoi? Non! Ah, le site, il oblige!
Oh, le site c'est un fan de Kimetsu. Le site c'est un fan de Kimetsu. Vous avez vu, j'ai cliqué sur la case. Oh les bâtards, ils nous ont baisés. En vrai c'est drôle, en vrai c'était drôle. Nous on a bien rigolé et Tanjiro il est toujours là. Bon bref, prochain duel, oula. Baki contre, de l'œuvre Baki contre Edouard Elric de Fullmetal Alchemist. Attention, le sondage il arrive, c'est parti. Alors, waouh. Ah ouais, bah en même temps la popularité de l'œuvre. Fema c'est l'une des œuvres les plus populaires de ces derniers temps. Et Baki, même si Baki j'adore, grosse popularité, bah ouais, à côté ça ne fait largement pas le poids. Même dans tous les cas, moi j'ai kiffé les deux œuvres, mais je préfère largement le personnage de Edouard, ce qu'il a traversé, ce qu'il a vécu. Ah, le château, Senna. Du coup, il y en a eu 3 sur 6 pour l'instant. Il y a eu Yusuke, Tanjiro et Senna qui ont eu de la chance. De Eichil 21. Ok. Oh, Toriko de l'œuvre Toriko contre Aladdin de l'œuvre Maggie. Ouais, c'est pas les grands favoris. Duel de cheveux bleus. Alors moi, je n'ai vu aucun des deux animés. Donc je ne vote pas. Mais il y en a un, j'ai vu plus que l'autre. Genre Toriko, je l'ai vu dans les crossovers avec One Piece et Dragon Ball. C'est le seul moment où je l'ai vu. Toriko qui est un animé de bouffe et Aladdin un animé tout ce qui est magie en Égypte, voilà tout ça. Ok, bah logiquement Aladdin passe au vu que ça m'a l'air plus populaire que Toriko ces dernières années. Hop là. Ok. Oh, Naruto Uzumaki contre Light Yagami. Après, voilà. Je suis choqué parce que c'est deux gros personnages, mais le vainqueur, on s'en doute déjà. C'est pas une surprise vous dire que Naruto va foudroyer Light Yagami, là. Voilà, bah, tu le vois déjà, quoi. Il va avoir 80% là pour l'instant. Même, je vais déjà voter Naruto, même si j'adore Light. Sur sa stratégie, tout ça et tout, j'ai kiffé de fou. Trop cool le personnage. Dommage pour la fin. Mais à côté Naruto, voilà, la philosophie de vie qui nous a inculqué de ne jamais abandonner malgré que tout le monde soit contre toi. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau sur le personnage. Il nous a fait traverser tellement d'émotions différentes. Naruto, grand favori du tournoi. Ok, Naruto, Uzumaki, hop là. Ensuite, oh! Ok, Yato de Noragami contre Emiya Shiro, c'est moi, Shiro, moi. Emiya Shiro de Fate, lequel vous allez voter? Yato, un dieu carrément. Yato, c'est un dieu. Personnage très cool, très attachant, qui est tombé en plein milieu d'une bataille et qui a dû faire des choix. Mais qu'est-ce qu'il est kiffant à suivre. Hop là, évidemment, moi je vote Emiya Shiro, mais étonnamment, c'est Yato qui va passer. Après, je comprends que Yato, il y a eu des scènes extrêmement attachantes. Mais moi, j'aurais voté Emiya Shiro. Moi, je vote Shiro. Pas parce qu'il a les mêmes blases que moi, mais parce que je préfère. Avec Archer, ceux qui ont la rêve, tout ça. Yato. Mais moi, ça me dérange pas. Yato, j'aime beaucoup aussi. Ok. Kuroko. Bah, de Kuroko Basket. Contre Subaru de Re:Zero. Alors, lequel vous allez voter, les gars? Pour l'instant, on a un large avantage de Kuroko qui n'est pas surprenant. Surtout vu la popularité de Kuroko no Basket comparé à Re:Zero. Même moi je vote Kuroko. Parce que Subaru il m'a fait chier des fois. À toujours faire le suceur de Emilia, à pleurer et tout au bout d'un moment. Moi ça m'a saoulé. Ok, Kuroko qui passe. Duel de gros animés de sport, de gros personnages. Mark Evans de Inazuma Eleven contre Hinata Shoyo de IQ. Oh là là, le gros duel. Le gros duel de grosses communautés qui s'affrontent, de gros personnages très populaires. Ça, je sens que ça va être dur. Moi, mon choix est déjà fait. Maintenant, c'est vous le chat. C'est vous qui avez la main mise. Et on voit que c'est assez serré quand même. Mais pour l'instant, on a l'avantage de Hinata Shoyo avec 55% des voix contre Mark Evans avec 44% des voix. Là, évidemment, je vote pour Hinata Shoyo. Les deux personnages sont exceptionnels. Les deux méritaient de passer. Moi, j'ai préféré Hinata. La majorité du chat aussi, même si ça se jouait de pas beaucoup. Mais Mark Evans, très très beau personnage. On l'adore, cœur sur lui. Mais ça dégage. Oh, bon, ça va être un massacre. Kurosaki Ichigo de Bleach, manque du Big Tree, contre Yuichi Katagiri de Tomodachi Game. Ça va être un massacre, sans surprise. Même si Yuichi à côté est un excellent personnage, vraiment je vous recommande de regarder l'anime Tomodachi Game. C'est un anime qui te permet de voir si tu préfères tes amis ou l'argent. Évidemment, moi je préfère l'argent. Voilà. Voilà, dans Tomodachi Game tu vois ça et même la suite dans le manga est exceptionnelle. Bon, évidemment, sans surprise, 80% des votes pour Ichigo. Je vote aussi Ichigo. Je suis un bandeur. C'est le meilleur rouquin des animés, genre. Ouais, c'est bon. Ichigo!
Ensuite, Simon de Gurren Lagann contre Akame de Akamega Kill. Parce que oui, dans Akamega Kill, bah tu l'as vu dans le blaze, Akamega Kill, voilà. C'était quoi le blaze de l'autre? Tatsumi, voilà, Tatsumi. Moi aussi je pensais que c'était lui longtemps le personnage principal, mais non, c'est Akame. Et c'est une victoire! Le clan Akame a gagné. Il faut aussi qu'il y ait plus de femmes à la suite de... Voilà. Parce que voilà, Shonen c'est plus pour les jeunes garçons. Mais voilà, il faut quand même qu'il y ait des meufs dans la suite du tournoi. Hop. Let's go. Oh, Isagi Yoichi de Blue Lock contre Jinga Agane de Beyblade. Le vrai Beyblade. Le vrai Beyblade. Metal Fusion, Metal Master, Metal Fury. Pas vos trucs de Golemon là, de l'époque, l'ancien et aussi le nouveau là. Pour qui vous allez voter? Isagi prend l'avantage. Il a voté Jinga. Mais c'est Isagi qui passe. Hop. Oh! Bon, dans tous les cas, en vrai, tant mieux parce qu'il aurait forcément gagné son duel. Donc, il évite à un de se faire éliminer. Vous voyez ce que je veux dire? Goku, Goat, qui passe tranquille. Justement, en fait, les adversaires ont eu peur de lui. Il les a esquivés en mode Ultra Instinct. Asta de Black Clover contre Shinra de Fire Force. Est-ce que c'est Asta qui vous a le plus marqué avec, voilà, malgré que le monde ne soit contre lui? En fait, les deux, le monde est contre eux. Mais ils ont su se relever et montrer qu'ils étaient utiles aux autres. Et ça qui est beau, c'est ça qui est beau. Hop, Asta. Oh! Ishigami Senku contre Eren Yeager. Eren Yeager. Bon, il n'y aura pas de surprise. Surtout qu'en plus, dernièrement, il y a eu la fin de SNK. Ça a marqué de fou les gens. Donc, même de base, bon, Eren aurait quand même gagné. Mais là ça va être encore plus un massacre, genre. Mais Senku, on aime beaucoup aussi, hein, sur son intelligence. Le personnage le plus utile, c'est Senku. L'autre crée et l'autre détruit. De ouf! Vous préférez la création ou la destruction? Eh ben, moi, je préfère la destruction! Moi, je préfère la malveillance! J'aime! J'adore! Hop là, Eren, évidemment, qui passe. Oh, Tsubasa! Je crois qu'il reste, après Tsubasa, il reste qu'un seul chanceux comme lui là. Oh, Zora Tsubasa qui passe. Oh non, les deux j'aime bien. Yukihira Soma de Food Wars, le GOAT, le meilleur cuistot de l'histoire. Sanji, calme-toi, je t'adore Sanji, mais tu ne fais pas le poids. Tu ne fais pas le poids devant la diversité des plats de Soma. Contre Yodo Ise de High School DxD, a.k.a. le mec le plus chanceux de l'histoire des animés. Oui, pourquoi? Parce qu'il a le meilleur harem. Harem qui est du coup les meufs qu'il gère autour de lui. Bah, il a le meilleur harem de l'histoire en fait. Voilà, juste le fait qu'il ait Rias, le combo Rias Akeno, ça tabasse déjà tout le monde en fait. Et c'est Soma qui passe à 85% des voix. Merci. Ah, et Soma tous les jours. Goat, quel personnage. Takemichi contre Kujo Jotaro. Bon, là, pas surprise. Voilà. Take flop là. Va te calmer là, vas-y, contre le Goat, Jota Goat, hein. Faut lire le manga, c'est un Goat Takemichi. Alors, Kamer, j'ai fini le manga Tokyo Avengers et je peux te dire que c'est le pire manga de l'histoire. C'est quoi ce manga de merde? C'est nul à chier, j'ai tout lu. Et quand j'ai lu les derniers chapitres, j'ai rigolé parce que je me suis dit, mais c'est pas possible. Jamais de ma vie j'en aurais pensé lire un truc aussi nul à chier, bordel de merde. Vraiment, et seuls ceux qui ont vraiment lu le manga et ont fini comprennent mes paroles, c'est lunaire. Voilà, bref, Jotaro qui passe. Oh, oh là là. Oh là là, non mais là ça se lance un duel c'est un duel de quart de finale peut-être, ou je sais pas. Izuku Midoriya, Izuku de MHA contre Itadori Yuji de Jujutsu Kaisen. Ça c'est un gros duel parce que Izuku comme gros personnage emblématique, attachant et tout. Mais aussi Itadori qui, grâce à la saison 2, pour ceux qui l'ont vu, est monté lui aussi en puissance au niveau de l'appréciation du public. Parce que c'est vrai qu'avec la saison 1, on n'a pas trop le temps de vraiment s'attacher à lui. Votez le chat, c'est très 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 serré. Mais aussi on a écouté Izuku qui au début était un peu... Moi personnellement j'ai eu beaucoup de mal avec Izuku, c'est même... toujours pas mon personnage préféré de MHA. Mais il a eu une bonne évolution. Mais si je devais faire un choix, je m'identifierais plus à Itadori Yuji, le personnage. Mais Izuku passe. Mais moi, il est passé avec la popularité. Mais vas-y, hein. Hop, suivant. Jurania. Ouais, alors, oui, il y a eu un débat de qui est vraiment le personnage principal de Spy Family. Lloyd ou Anya. Moi, c'est moi qui décide. C'est mon tournoi. Et Waku Waku, voilà.
1. Ok. Ok. Yugi Muto de Yu-Gi-Oh, évidemment. Contre Denji. Denji-kun. De Chainsaw Man. Denji prend. Oh là là, ah ouais, non, mais là, Denji tabasse. Moi, je me disais, Yu-Gi-Oh, il y avait la popularité quand même. Ah, mais après, moi aussi, je vote Denji. Pourquoi en fait, je vote Denji? C'est un personnage qui sort du lot dans le sens où c'est un putain de troll, ce mec. Je veux vraiment dire, juste son but ultime, c'est de tripoter des seins et de baiser des meufs. C'est lunaire de suivre un personnage comme ça, tu vois. Mais c'est aussi ça qui fait que on s'attache à lui. Il découvre la vie et c'est juste qu'il nous fait rire en fait, tu vois. Et du coup, ça fait qu'on s'attache grave à lui en fait. Et à côté, Yu-Gi-Oh, bah ça a perdu de sa. Enfin, voilà, avec le temps, les gens s'intéressent de moins en moins à Yu-Gi-Oh. C'est que les gens de l'époque qui regardaient encore, tu vois. Donc, logique en fait. Denji, qui passe? Oh! On arrive quasiment à la fin de ces 32e de finale. Le tri a été bien fait. Et là, nous avons Emma de Super Mario Neverland contre Boruto Uzumaki de Boruto. Ne faites pas attention à l'image, j'ai juste voulu rigoler. Ce n'est pas un manque de respect. J'ai tapé image Boruto, elle est apparue en premier. J'ai rigolé, je me suis dit, vas-y, je vais la mettre celle-là, tu vois. Tac, ouais, Boruto qui passe. Tranquillamente. Sacha, personnage exceptionnel, emblématique, iconique. Sacha Pokémon, tout de tous les Pokémon, hein, c'est Sacha de tous les Pokémon, notamment le GOAT de XY, contre Eijun Sawamura de Ace of Diamond, lui aussi un GOAT. Allez voir Ace of Diamond, c'est un animé de sport sur le baseball et c'est exceptionnel, c'est incroyable. Genre vraiment, j'ai adoré, moi j'adore. J'ai même appris le baseball, je connaissais aucune règle du baseball. Ils t'apprennent les règles à chaque fois au début, ça qui est cool, comme IQ avec le volet et tout. Mais bon, Sacha, même moi je vais voter Sacha. C'est... On a tous grandi avec. Qui n'a pas grandi avec Sacha? Qui n'a pas grandi avec les épisodes de Pokémon à la télé, quoi? Moi, bah vous avez pas eu d'enfance. Vraiment, ceux qui n'ont pas vu les épisodes de Pokémon à la télé petit, vous avez raté votre enfance. Vraiment, entre ceux qui ont vu Pokémon petit à la télé et tout, et ceux qui n'ont pas vu, il y a un gap. Il y a un gap d'enfance. Bref, Sacha. Oh! Shadow Kageno Seed. Ouais, c'est ça. De Eminence in Shadow contre Meliodas de Nanatsu no Taizai, lequel vous allez choisir. J'allais dire, au vu de la popularité, Meliodas passerait assez largement, mais Shadow prend l'avantage, 51% des votes, et il passe. Let's go. Oh, gros duel. Kirito Kazuto Kirigaya, parce que Kirito ça reste un pseudo, contre Hippo. Ah là 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 là. Ah, c'est dur, les deux je les adore. Les deux je les adore vraiment. La détermination de Hippo, elle est exceptionnelle de fou dans les combats, tout ça et tout. Même le personnage il est marrant avec Takamura, c'est trop drôle de les suivre. Mais de l'autre côté, Kirito, t'as toute l'histoire de SAO, tu vois, les montées de niveau, tout ça et tout. Asuna, tout son parcours dans les jeux et tout, divers et variés. Death Gun, tout ça. Le vrai épéiste noir. Ouais, le vrai épéiste noir. Les gens vont dire, ouais, c'est Guts, le vrai épéiste noir. Mais je pense que généralement, si tu prends tous les fans d'anime, les gens, quand tu leur dis épéiste noir, ils vont te dire Kirito. Bref, Kirito, il passe. Konan contre Tsuna. Et c'est le dernier duel. Dernier duel de ces 32e de finale. Après, on aura de plus en plus de... Enfin, on aura des gros duels. Attends, du coup, c'est quoi? Konan, Tsuna? Ok, bah Konan, il passe. Oh, 16e de finale. On commence ces 16e de finale avec un gros duel Naruto contre Denji. Voilà quoi. Juste tu dis le blast Naruto, tu sais ce qui va se passer. C'est comme les Luffy, les Ichigo, ça revient toujours au même. Hop là, Naruto qui continue sa voie royale tranquillement. Ah, Tanjiro, tu es là. Nous y est, t'as réussi à esquiver le vide. Et est-ce que tu réussiras à esquiver Shadow, l'ombre qui est comme le vide? Donc si on a voté le vide, c'est qu'on vote aussi indirectement Shadow, qui est une ombre, un vide. La tristesse du personnage de Tanjiro, de tout ce qu'il a vécu, même du pardon. Parce que c'est vrai qu'il pardonne beaucoup Tanjiro, les démons. Genre dès qu'il les pourfende, il est triste. Il est triste, tu vois. C'est touchant. C'est assez serré, mais pour l'instant, Tanjiro passe toujours devant avec 51% des voix. Voilà, c'est serré. Ça. Est-ce que mon vote... Moi, je vote Shadow, je l'ai dit. Mais Tanjiro, toujours à 2. Ouah, Tanjiro a deux votes. C'est pour ça que je dis, votez tous. Vraiment, vous êtes des chiens, on est 500. Et il y a 100 votes, il y a 200 votes en tout. C'est atroce, il n'y a même pas la moitié qui vote. Bonne de fumier. Allez, Tanjiro, tu passes. Oh, Yato de Noragami contre Anya Wakuwaku de Spy Family.
Et moi je vote aussi Anya. Waku waku, let's go, elle passe. Oh, il est là avec son chapeau de paille en train de sourire comme un roi parce qu'il sait qu'il va la tabasser. Il est violent envers les femmes, Monkey D. Luffy. Depuis que t'as tapé Vivi, depuis que t'as frappé Vivi, t'as changé. T'aimes trop frapper les femmes. C'est ça, Monkey D. Luffy. C'est ça le personnage. C'est ça que les gens soutiennent. C'est atroce, c'est horrible. Je ne cautionne pas ça, mais je vote quand même Luffy. C'est mon soleil, c'est mon inspiration, c'est mon roi. Ah là, Sanji serait déçu. Évidemment, ici, on va voter logiquement, dignement, sans aucune once de honte. On vote Luffy ici. On vote Luffy tous les jours. Le roi, le goat. Allez, Akame, merci pour les travaux. Mais ça part. Oh! Oh là 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 là! Kujo Jotaro, Jojo Bizarre Adventure contre Goku, Dragon Ball. Oh là 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 là! Gros duel, Mais on se doute de qui pourrait gagner. On se doute de qui pourrait gagner. Logiquement, après, il peut toujours y avoir des surprises. Le sondage, il est là. Bon, voilà, pas de surprise. Goku, gros massacre de Goku. Je vote aussi Goku parce que même s'il a pas la mentalité la plus intéressante, le développement le plus intéressant, c'est quand même un personnage cool à suivre. Non, il est quand même assez iconique, tu vois. Goku. Kuroko contre Edouard Elric. Alors, l'ombre ou le soleil, parce qu'il a les cheveux jaunes. C'est le mec qui essaie de trouver des comparaisons de duel. Ah ouais, pas de surprise, Edouard Elric. Même moi là, je peux voter maintenant Edouard Elric parce que vas-y, là, il n'y aura pas de différence. Le personnage est beaucoup plus intéressant à suivre. Oh, en vrai de vrai, il peut y avoir des surprises. On sait pas qui peut vraiment gagner, on peut pas l'affirmer à 100%. Kurosaki Ichigo contre Sasha Ketchum. Si vous ne savez pas, c'est le nom de famille de Sasha. On le dit pas assez souvent, mais c'est Ketchum. Qui vous kiffez le plus? En vrai, je suis partagé entre aujourd'hui et la nostalgie. L'enfance. Genre, l'enfance avec Pokémon, Sasha, tout ça. Mais à côté, Ichigo. Exceptionnel. Trop cool à suivre. Hop. Et c'est Kurosaki Ichigo qui passe. J'ai oublié de voter, mais j'allais voter Ichigo. J'allais dire, de toute façon, aujourd'hui, en fait, je préfère Ichigo. Mais vas-y, tu as Sacha dans mon cœur quand même. Oh bon, tranquille. Ah, tranquille. Asta, Aladdin. Vraiment tranquille. Bon, allez, Asta. Sans surprise, même moi, je vote Asta. En tous les cas, on sait que c'est Asta qui allait gagner. Entre les deux. Ok. Oh, ouais, tranquille en vrai. Senna, j'ai dit oh, j'overreact. Carrément, j'overreact. Non, mais comment ça? Oh. Putain, mais en fait, Izuku, je l'aime beaucoup. Mais en fait, depuis qu'il a éliminé mon fils Itadori Yuji, j'ai développé une petite. Un petit énervement. Un petit mécontentement à son égard. En vrai, hop, on peut passer Izuku déjà. Ok. Oh, ouais, bon, tranquille. Nagisa, il a eu de la chance dans son premier duel. Il a vraiment eu de la chance de fou. Bon, alors Isagi Nagisa, en vrai, il y a pas un si grand écart que ça. Mais attendez, un plus gros écart. Bah, Isagi, hein. Hop. Bah là, ça va. Ça va être une petite fessée quand même. Ça va être une petite fessée. Eren Yeager contre Conan. Bon, Eren, hein. Eren tranquillement, allez, hein. Oh, Onizuka contre Tsubasa. En vrai, même si Tsubasa, Olivier Tom, tout ça, ça a marqué beaucoup de gens. Ça reste Onizuka, Onizugot, donc je pense que c'est tranquille. En fait, Onizuka, c'est un fan de CR7 et Tsubasa, c'est un bandeur de Messi. Bah, il se fait tabasser, en fait, par le Goat, voilà, tout simplement. Les termes. Limul Tempest contre Natsu Dragneel. En vrai, tranquille. Et on peut même speed, allez, c'est bon, c'est un massacre. C'est Natsu qui passe, y a pas de surprise. Oh, en vrai, putain, Yusuke. Je disais, jamais il va aller loin. Le mec, il a eu de la chance, premier tour. Il a pas d'adversaire. Et ensuite, il tombe sur Gabimaru où il peut avoir une chance. Il y a un monde où il peut avoir une chance. Mais après, Gabimaru, Hell's Paradise, ça a eu sa petite popularité quand c'est sorti quand même. Donc, je pense que dans le chat ici, il y a plus de gens qui ont vu Hell's Paradise que Yu Yu Hakusho. Et pour l'instant, le sondage me donne raison. Et c'est Gabimaru qui passe. Bah, j'avais raison. Oh non ! De go, de roi, de personnage exceptionnel. Hinata Shoyo de IQ contre Yukira Soma de Food Wars. Le volleyball ou la nourriture, le cuisto, le volleyeur, qui va gagner? Les deux sont très 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 appréciés. Les deux personnages sont incroyables. On les adore, on les aime tous. Mais moi là, je vais voter Yukira Soma. Et c'est lui qui gagne de pas beaucoup. 53% des votes, c'était très très serré. Mais Yukira Soma passe.
Dernier duel de ces 16e de finale avant les 8e. Et oui, ça bon, on se rapproche de la fin. Et là, nous avons aussi un gros duel. Kazuto Kirigaya Kirito contre Boruto Uzumaki Boruto. Qui allez-vous voter? Hop, et Kirito qui passe. Ah, je préfère Kirito aussi. Hop, et c'est bon, nous y sommes, les 8e de finale. Et là, nous avons que des gros personnages. Là, ça va être que des duels atroces. Ça va faire mal. Et nous commençons avec Asta de Black Clover contre Tanjiro Kamado de Kimetsu no Yaiba qui, malgré le chat qui sont vraiment extrêmement nombreux à être contre lui, il a réussi à se hisser jusqu'en 8e de finale dans les 16 meilleurs de ce tournoi. Et il peut peut-être aller encore plus loin. Parce que c'est parti, le sondage est ouvert. Oh là là, mais non, c'est la fin. C'est le chemin s'arrête. Il va retourner voir sa sœur dans son sac. Hop, moi je vote aussi Asta. Voilà, Tanjiro, tu as lutté et je te félicite en vrai. C'est quand même un beau parcours, c'est quand même un beau parcours. Allez, Asta qui part en quart de finale. Oh là 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 là. Oh non. Oh là 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 là. Il fallait que le chemin s'arrête pour Yuki Rasoma, mon fils. C'est bon, c'est déjà un beau parcours. Mais là, c'est t'affrontes un monument. Un daron, le papa. Le papa qui va donner la fessée au petit-fils, carrément. T'es le petit-fils de Goku, là, Soma. T'es même pas le fils, t'es le petit-fils encore. Après, moi, je vais voter Soma parce que je préfère Soma. Mais c'est assez serré. Ce n'est pas une fessée. Ce n'est pas une fessée. Est-ce que vous préférez Goku, le personnage de Goku? Est-ce que le personnage de... Parce que, voilà, faut pas confondre les œuvres. C'est pas parce que vous êtes fan de Dragon Ball que vous devez forcément voter Goku. Genre, est-ce que vous préférez le personnage de Yuki Rasoma? Est-ce que vous avez fait plus transmettre d'émotions que Goku? Est-ce que vous voyez plus en lui que Goku? Bref, voilà, plein de critères à prendre en compte. Ce n'est pas l'œuvre, c'est le personnage. La qualité du personnage. Mais Goku passe de un vote! De un vote! De un vote! Qui n'a pas voté Soma? Qui n'a pas voté Soma? Je me lève, je suis debout, je vous demande. T'as quand même, Goku a failli sauter, hein. Oh! Bon, pas de surprise. Naruto, Uzumaki contre eux, Eikichi Onizuka. Bon, évidemment, Naruto en légende, hein. Quel go de ce personnage, Date Bayo, Hokage ni Naru. Oh! Kurosaki Ichigo contre Edouard Elric. Aïe, 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 intéressant. Est-ce que Ichigo va rejoindre Naruto, son collègue du Big Tree? Ou est-ce que Edouard Elric va faire tomber Kurosaki Ichigo et poursuivre son épopée dans ce tournoi? Les deux personnages sont incroyables, les deux personnages sont trop cool. Mais voilà, on est en 8ème, c'est que des personnages super bien. Ok, pour l'instant, on a un avantage de Ichigo avec 60% des votes. Et moi, je vais aussi voter Ichigo. Bon, Ichigo qui passe, évidemment. Gabi Maru de Hell's Paradise contre Anya de Spy Family. Je pensais pas qu'un des deux irait aussi loin. Enfin, du coup, un des deux va aller en quart de finale. C'est Après, c'est le hasard, hein, c'est le parcours. Non, je pense que globalement, ça va être Anya qui va être votée. Anya, elle passe. De toute façon, elle va passer. Oh! Midoriya Izuku contre Monkey D. Luffy Kaizuku Oni. Monkey D. Luffy qui va venger mon fils. Qui va venger mon fils Itadori Yuji. Merci mon go, tu m'as écouté. Luffy, tu m'écoutes? Tu m'as écouté, t'as écouté mes prières. Massacre-moi ce Izuku là. En même temps, y a pas de surprise, tu vois. Quel personnage. Oh, oh, mais attends, mec, c'est trop intéressant. Trop intéressant ce duel. Isagi Yoshi contre Eren Yeager. Et vous savez pourquoi c'est intéressant? C'est que les deux personnages déjà se ressemblent. Le mangaka de Blue Lock était un assistant de Isayama dans SNK. Oui. Donc, en fait, Isagi, Yuka Nizami est un peu inspiré de Eren, en fait. Il y a des traits de Eren, en fait. Ok, mais bon, ici, on va voter, voilà. Eren, dignement, c'était pour la petite anecdote que j'ai raconté. Eren, tous les jours, c'est le tabassage. C'est le tabassage de Eren Yeager. Suivant. Oh! Quand même, mine de rien, je suis très content des personnages qu'on va voir en quart de finale. On a que des personnages de fous, en fait. L'algorithme a bien travaillé. Bon, Natsu contre Kirito. Alors, je t'aime beaucoup, Kirito. Ah, c'est dur! En vrai, c'est dur. En vrai, je vais voter Kirito. Même si là, Natsu, il perd. Je vote Kirito, mais ça se joue de rien. Genre, vraiment, en fait, peu importe qui passe, ça me va. C'est Natsu qui passe. Nous y sommes! Yokoso Minasan, les quarts de finale. Les 8 meilleurs protagonistes que vous avez décidés. Nous avons que des personnages de fou. Et on commence ces quarts de finale avec Ichigo contre Anya. Attention. Pour l'instant, avantage de Ichigo. Ichigo n'a aucune pitié. Il brandit son Zanpakuto pour trancher la tête de Anya sans aucune pitié.
Vraiment, quelle merde ce Ichigo. Frapper des enfants, je trouve, c'est vraiment atroce. Je ne cautionne absolument pas ça. Et c'est pour ça que je ne voterai pas pour Ichigo. Let's go, c'est Ichigo qui passe. Qui passe en demi-finale. En demi-finale, dans le carré final. Exceptionnel. Bon, évidemment que j'ai voté Ichigo. Voilà, Anya, je t'aime beaucoup, mais il faut se calmer deux minutes quand même. Ouh, ah oui, il y a aussi Asta. Et il affronte Goku, qui a failli sauter contre Yuki Hirasoma. Donc, il est sur la sellette, mais est-ce que il va réussir à aller en demi-finale rejoindre Ichigo? C'est ce qu'on va voir. Ou est-ce que c'est Asta qui va le découper? Attention le chat, c'est vous qui décidez, c'est vous qui votez. C'est assez serré, je vote à la fin pour pas influencer là. Pour l'instant, avantage pour Asta. Goku qui a du mal, la vieillesse, hein. C'est voilà, il est finito Goku, c'est la retraite, hein. Laissez la place aux jeunes de ce qu'on voit là, j'ai l'impression. Je vais voter Goku. Ça se joue de pas grand chose, mais moi je préfère Goku. Et c'est Asta qui part en demi-finale rejoindre Kurosaki Ichigo. Et c'est la fin du voyage pour Goku. Bon top 10. Quand même, c'est une très bonne place. C'est une excellente place. Oh, oh là là. Oh là là. Non. Non, c'est pas possible. Voilà, depuis le début, je le voyais dans les... Je les voyais qui se faisaient des regards noirs sur les côtés. Ils étaient là, toi, t'inquiète pas, hein. Tu vois, c'est le Real Madrid-Barcelone. On pensait qu'ils se croiseraient en demi-finale ou en finale, mais ils en pouvaient plus. Ils veulent se tabasser tout de suite maintenant. Les deux goths, les deux monuments. Uzumaki Naruto, Monkey D. Luffy. C'est à vous de voter le chat. C'est parti. Mon choix, je le dis clair et net, je l'assume. Je vote Luffy. Allez, Luffy contre Naruto. C'est parti, pour l'instant on a un avantage pour Naruto. Mais ça reste assez serré. Il y a 10 votes d'écart. Pour l'instant toujours un avantage pour Naruto. Mais Luffy garde un peu l'écart. Mais l'écart n'évolue pas trop. Il y a toujours 10 votes d'écart. Non, Luffy, remontada de Luffy. 5 votes d'écart, c'est hyper serré. Attention, c'est très serré, 5 votes d'écart. Votez le chat, c'est très serré. Votez Naruto si vous préférez Naruto. Votez Luffy si vous préférez Luffy. 4 votes, 2 votes. Toujours 2 votes. 2 votes, 1 vote. 1 vote. 1 vote. Ça se joue 2 votes. La remontada de Luffy. Mais malheureusement, à la dernière seconde, ça s'est joué de 1 fucking vote. Et c'est Uzumaki Naruto qui remporte ce classico. Mon dieu. De 1 vote, c'est une dinguerie. Next, Eren contre Natsu. C'est le dernier duel des quarts de finale. Qui va rejoindre Ichigo, Asta et Naruto? Est-ce que c'est Eren, est-ce que c'est Natsu? Je pense que sans surprise, c'est Eren. Pour ceux qui ont l'avantage. Mais Natsu n'est pas très loin aussi. Bon, je pense que ça va être Eren. Eren qui passe en demi-finale. Nous y sommes, les demi-finales. Et retour de Eren qui enchaîne direct. Il n'a pas de temps à perdre. Il veut direct passer en finale peut-être. Ou est-ce que Ichigo va l'empêcher et y aller? Là, c'est une place en finale, le chat. On est dans le top 4. Ouais, le top 5, je pense qu'on va dire que c'est Luffy, logiquement. On sait qu'il serait passé. Qui, maintenant, va être minimum top 2? Est-ce que c'est Eren? Est-ce que c'est Ichigo? Oui. Attention. Pour l'instant, Eren est devant Ichigo. Les deux personnages sont incroyables, exceptionnels. Mais je préfère Eren Yeager de mon côté. L'histoire du personnage est folle. Elle change beaucoup... comparé à la majorité des héros de shonen qu'on suit. Et ça, c'est cool. Eren en finale. Mais qui va le rejoindre en finale? Est-ce que c'est Naruto, Uzumaki ou est-ce que c'est Asta? Dans cette finale du personnage principal de la communauté. Ah ouais, là c'est un petit massacre là. C'est un petit massacre. Le double des votes, carrément. Naruto, Uzumaki qui part en finale. Elle est là la finale. Après presque 2 heures de tournoi, 64 participants, enfin 58 exactement, mais les deux derniers, les deux survivants, Naruto Uzumaki de Naruto contre Eren Yeager de Shingeki no Kyojin. C'est parti, à vous de voter lequel va gagner, lequel vous préférez. Et c'est hyper serré, ça commence hyper serré, il y avait 50-50. Naruto prend un avantage de 57%, 59, il commence à prendre de la distance. Eren perd du terrain. Et elle continue encore à perdre du terrain parce qu'il a 40% des voix cette fois-ci. Aïe. La victoire s'est jouée sur le duel Naruto-Luffy. Je pense vraiment honnêtement que oui. Attention, Naruto qui est toujours devant. On attend la fin du sondage. Votez tous, votez le chat. Non, Eren, excellent parcours. Top 2, mérité en vrai. Moi, tant que je le voyais top 5, moi ça m'allait. Tant que je le voyais dans le top 5, c'est mérité. Mais c'est le
Goat, Naruto, Uzumaki, qui va remporter ce tournoi magnifique. GG Naruto Uzumaki, tu es le vainqueur de ce tournoi. Mais oublie pas que Luffy a failli te battre de 1 vote. De 1 vote, c'était égalité. Et de 2 votes, c'était finito. Bah, si vous avez kiffé sur YouTube, pouce bleu, super important. Commentez, abonnement, venez sur Twitch. On fait tous les trucs en live tous les jours à 19h. Donc venez sur ma chaîne Twitch, Shiro Boy. Puis voilà, c'était Shiro, le chat. Tchuss.